Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Rallycross sur PlayStation. Le premier, puisqu'apparemment il y en a eu deux. Donc un jeu de, jeu de voiture, hein, vous l'aurez compris. Alors, on a mis mode un seul joueur, on a un mode single race, un mode saison, un mode optionnel. On va voir tout de suite. On va voir les contrôles. Alors, on peut tourner, c'est classique, hein, accélération avec le bouton croix. Vue arrière, chrome, ok. Clutch, triangle. Turn left, turn right, ok. On va revenir en arrière. Ce petit bruit, on dirait c'est une marche arrière en fait. Alors du coup, on va faire retour. On va aller donc faire une single race. On a donc tour illimité, solo race, race, head-on, suicide. Ok, on peut même se suicider dans ce jeu. Alors du coup, ce qu'on va faire en premier, on va avoir un mode illimité, hein. Rookie, on a 6 circuits, dont 3 débloqués dès le début. Oasis, Island et les mines perdues. Écoutez, on va faire le troisième. On va commencer par le troisième. On a plusieurs versions. Version A, version B, version C. On va faire la version A et on va la faire en mode normal. Alors, on a une 80WRA, une Satkins qui ressemble à une. Ça ressemble à une Sierra Cosworth. On a une 9 SKB, je sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est le numéro, ok. 27 Lions, donc une Lions. On a une LSR, Monkey, Reptile, une Alta. Enfin, c'est toujours les mêmes bagnoles, sauf qu'elles ont le skin qui est un petit peu différent. Elles ont des spécificités en bas. On peut voir l'accélération, la maniabilité et la vitesse. On va prendre une qui est assez moyenne, d'ailleurs, tant qu'à faire. Prendre la première, tiens, par exemple. On va se mettre en automatique. Et c'est parti pour découvrir ce jeu au Rallycross. Et donc il y a bien de la musique, hein. Je vais me poser la question avant. Ah oui, donc il faut que je. Oui, pardon. Il faut que je passe la vitesse. Si je passe pas la vitesse, en fait, ça ne marche pas. Je suis obligé d'appuyer sur R pour enclencher la première. Après, une fois qu'on a enclenché la première, tout va bien. La boîte est en manuel, en automatique, pardon. Alors c'est parti. Donc un jeu de rallycross, vous l'aurez compris. Ce qui est fait la particularité de ce jeu, c'est la gestion un petit peu des suspensions, comme vous le voyez, qui est ma foi pour un des premiers de la série, assez bien fait. Ça bouge un peu partout. Les suspensions travaillent de manière assez réaliste. J'ai bien assez réaliste. Hein. Vraiment pour l'époque c'est réaliste, mais pour notre époque actuelle, non, c'est plus trop le cas. Donc un circuit assez court. Avec voilà, on a le tracé en haut, donc ça c'est bien, hein, ça permet un petit peu d'anticiper. Pour l'instant c'est un circuit qui est pas très très rapide pour autant. Je sais pas si je peux me retourner. Oui, je peux me retourner. On l'a vu, et elle va se reposer sur le sol. Je sais pas s'il y a des dégâts dans le jeu. J'ai peut-être pas l'impression. On a la vue arrière. On va voir s'il y a des dégâts. Là je peux faire un saut, et effectivement si je prends le saut ça m'évite d'aller dans la boue, parce que la boue me ralentit. On rentre dans une mine. Ça fait partie des jeux, les premières salles de jeu en fait, sur PlayStation. Oh, je me suis retourné carrément. Ah, ça c'est excellent. Ça c'est vraiment excellent. Et la voiture se casse, regardez. Légèrement, je crois que c'est mon capot. Ah non, j'ai peut-être des bêtises. J'ai l'impression qu'il est un petit peu cassé mon capot. Un petit peu passé par là. Je sais de faire un. Voilà, là on passe dans la boue. Je vais voir si je fais par exemple une marche arrière. On va faire un petit test. Est-ce que je peux aller en arrière d'ailleurs? Oui, je vais en arrière. Voilà, là je remets la marche avant. Et effectivement, on a des petits dégâts. Vous voyez, ça s'est un petit peu détruit. Alors ça détruit, j'ai l'impression que c'est juste la texture qui change. Il y a pas vraiment d'enfoncement véhicule. En tout cas, ouais, on ressent bien. On ressent vraiment bien le déplacement de la masse. Bon, la voiture est assez maniable, hein. Elle tourne assez vite, assez rapidement, elle est assez vive. Ce qui fait que c'est pas trop lourd à piloter. Après là, c'est un modèle qu'on a dès le début, hein, mais potentiellement, il y a d'autres modèles plus rigides. Alors, est-ce qu'il va me remettre droit? Non, j'ai pas l'impression. Attendez, si j'appuie sur R2, elle bouge. Qu'est-ce que ça fait? Oui, si j'appuie sur R2, en fait, ça la fait pivoter un petit peu d'un côté à l'autre. Et du coup, on peut la retourner. Bon, ça c'est pas mal. C'est pas automatique par contre. En tout cas, j'ai pas l'impression. Par contre, les dégâts ont pas l'air d'influer vraiment sur la conduite. Hein.
Bon, écoutez, on va faire start. On a plusieurs caméras. On a in-car, donc on peut voir intérieur, close, medium, phare. D'ailleurs, je me dis que le medium, c'est peut-être le mieux. On va faire quitter. Yes. Les petits sons d'ambiance sont assez bizarres, mais bon, ça se veut réaliste, hein, si j'ai bien compris. Pareil, la transition quadrillage est magnifique. Allez, on va faire un joueur, on va faire single race, on va avoir une course en solo, en mode rookie, trois modes de difficulté. On va essayer l'île, donc Island, en mode normal. Donc là, on a la Satkins. On va essayer la Satkins, si on a fait la première, on va faire la deuxième, on va essayer tout un petit peu les essayer. Même si j'ai l'impression qu'au niveau 3D, il n'y a vraiment que 3-4 voitures différentes pour le moment. Alors peut-être des voitures à débloquer par la suite. Alors, c'est parti. Oula, ouais, j'oublie toujours de mettre la première. On est en miles par heure, j'ai pas vu de réglage pour ça, dans les options. Dans les options, il n'y a pas grand-chose, hein, honnêtement, à part la maniabilité, pas la maniabilité, les contrôles. Pas grand-chose. Alors, on est avec un véhicule qui normalement devrait être un peu moins agile sur les boss. Par contre, plus agile sur les parties. Sur les parties un peu plus classiques, comme des routes. Sans trop de boss. Alors, je peux comprendre, je sais pas si ce jeu a bien marché. Franchement, je n'ai aucune idée. Mais je le trouve plutôt réussi. Enfin, en tout cas, pour l'époque, au niveau du maniement. Vraiment, je vais m'atteler là-dessus. Bon, oh, pareil, je suis allé dans la flaque de boue. Là, ça m'a ralenti net et c'était super réaliste, hein, la façon dont ça s'est fait. Donc là, il y a pas mal de virages. Alors, vous avez vu, on a une petite fontaine, hop là, enfin une petite fontaine, une petite cascade. Quand on va dans l'eau, ça nous ralentit. Ah, par contre, ce que j'aimerais voir, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des raccourcis. Ou alors, c'est peut-être des variantes, c'est peut-être les fameuses variantes du circuit. Là, on va avoir un gros virage à gauche. Je m'entraîne un petit peu. Alors, il me semblait qu'on pouvait changer la vue, on peut pas le faire en fait. Pour changer la vue, il faut vraiment aller dans le menu. C'est un peu dommage. Pourquoi ils ont pas mis ça sur triangle, par exemple? Pas très compréhensible. Alors, est-ce que je peux aller ici? Aïe, oula, n'importe quoi. On va essayer de le faire à l'autre côté. Alors, c'est marrant parce que cette voiture, elle a un petit peu tous les aspects d'une plusieurs voitures réunies. Notamment les phares à l'arrière, on dirait des phares de BMW. avec l'aileron arrière presque celui d'une Cosworth et l'avant d'une Cosworth. Sierra Cosworth. Ah, par contre, ce qui est marrant, c'est que là je fais 2 sur 4. Est-ce que c'est des qualifications ou pas? Parce que pour moi, je suis tout seul. Normalement, il y a des IA contre nous. Donc, peut-être que c'est le mode course normal et du coup, c'est juste une course contre la montre. On va voir, on va finir le 3ème et 4ème tour. On verra après ce que ça donne. Les décors sont assez sommaires, enfin ils sont sommaires, ils sont bien réussis, hein, c'est pas le problème. Et on sent qu'on est quand même dans un environnement assez réduit en espace. Vous voyez, dans la jungle. Et voilà, tout est fermé visuellement, quoi. On n'a pas trop de projection sur ce qu'il y a à l'extérieur du circuit. Au loin. Par contre, il y a pas mal de détails sur le circuit en lui-même. Voilà, ça va être plus compliqué de faire un bon temps. Je suis pas spécialement bon. Drapeau blanc, c'est le dernier tour. Oula, là, ça a rien fait. On a vu le petit bruit de suspension là, suspension qui a couiné un peu. Peut-être que je ferai une course tout à l'heure avec la vue embarquée, qui m'a l'air plutôt sympa. J'aime beaucoup cette partie avec le saut, c'est plutôt réaliste. Et là, on s'est complètement retourné dans la grotte. Donc faut vraiment faire attention de ne pas trop aller vite non plus dans certains virages, même si on pourrait le prendre à fond. Le déplacement des masses fait que ben, on va pas pouvoir le franchir sans se retourner. Non, vraiment c'est pas mal, hein. Honnêtement, la maniabilité, la réaction du véhicule, au top. Rappelle qu'on est sur PlayStation quand même. Alors on a le replay. On va voir le replay. Ah, j'ai fait resume, mince. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, j'aurais voulu vous montrer le replay, effectivement, je suis allé un peu trop vite. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Ça change rien. Ah, mais solo race, bah oui, mais je suis bête aussi, c'est race. Enfin, rookie. On va découvrir le premier circuit, tant qu'à faire. Comme ça, au moins, on aura fait un peu tout. Alors ça, c'était la première variante, on a la troisième, la SKB.
Apparemment, une bonne accélération, mais pas forcément une bonne maniabilité. Le record du tour en 35 secondes et le record global en 3 minutes 11. Et regardez, ça affiche les voitures en bas dans le changement. On est en red 4. Ah, j'ai bien formé, j'ai mis la première dès le début. Histoire 2. Alors c'est parti, ça risque d'être un petit peu brouillon parce qu'on est pas mal de véhicules en même temps. Je n'ai pas encore roulé sur ce circuit. Quand je dis des fois que je découvre les jeux en même temps que vous, c'est vraiment le cas souvent. Oh regardez, là, je suis complètement retourné. Alors là par contre il faut vite que j'essaie de la balancer d'un côté à un autre là. Ouais, j'appuie, c'est bon. Là il faut faire marche arrière. Oh, le temps perdu. C'est pas grave, on va repartir. Je suis, si j'ai bien compris, le point vert sur la carte. Il y a des rochers d'ailleurs sur le circuit. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la caméra en mode loin pour le moment. Parce que je pense qu'en mode loin, on a un peu plus de champ de vision. Là, j'ai tapé l'intérieur. Allez, on va essayer de revenir sur eux. Ouf, la suspension. C'est n'importe quoi. Ça fait d'ailleurs penser qu'il y a un jeu auquel il faut que je joue, que j'ai d'ailleurs en CD, un peu dans le même genre, qui s'appelle Buggy. Bon, c'est différent parce que c'est des voitures radio commandées, mais un peu à la Revolt, ça fait penser un peu à ça à certains moments. Je suis particulièrement mauvais. On va faire R, pas avancer. Il faudrait vraiment que je me concentre. Je vais me prendre un tour hein, bientôt, les IA sont pas loin. J'entends même le. Ouais, j'entends le leader derrière nous. Ouais, il faut anticiper les boss. Hein. Ce circuit c'est peut-être le premier, en tout cas dans la liste, mais c'est pas le plus facile, loin de là. Ouais, il y a quelques boss. Attention à la boss ici. Là. Bon, il y a 5 tours à faire. 5 tours à faire. Oh, bien négocié celui-là, c'était même pas voulu. Oh non, ne te retourne pas s'il te plaît. Reste avec moi, voilà, parfait. Il me semblait que j'avais refait un peu l'écart, mais pas du tout. En même temps, je me suis planté quasiment à tous les virages. Vous voyez, il y a un décor sur les côtés qui est propre, hein, plutôt bien fait. Mais on est à chaque fois dans des ravins, dans des zones cloisonnées, quoi. On voit vraiment rien autour. Bon, j'ai pris une tôle par l'IA, c'est vraiment impressionnant. Si on fait la course, je pense que quand même je m'en sentirais beaucoup mieux. Donc je commence à connaître un peu le circuit. Par contre, je pense que j'ai appelé à tourner dans leur rythme. Je vais prendre un tour. Hein. Je vais prendre un tour. On fera la revanche dans le mode saison. On va tester après. On fera le mode suicide d'ailleurs juste avant. Je crois que j'oublie. C'est quand même quelque chose qui me. M'interpelle. La vue arrière. Ouais. C'est bon, voilà. Alors pour moi, c'est le dernier tour. Par contre, eux ont déjà. On a déjà fini la course, hein, normalement. Voilà, je suis P4. J'aurais formé P4. Hein. Tellement je suis mauvais. Aïe! Et voilà. Bon, on va faire le tour. Terminer celui-là. Pas très concluant. En plus, je crois que j'étais en niveau rookie, hein. J'étais au niveau le plus bas de difficulté pour vous dire à quel point ça va pas être facile. Donc, on a le replay, voilà, je voulais vous montrer. Je sais pas si je peux faire un changement de vue. Si, regardez, avec R2, L2, je peux changer la personne que je suis. Par contre, est-ce que je peux changer la vue? Bah, je vais mettre la vue arrière. Non, par contre, ouais. Malheureusement, je ne peux pas changer la caméra pour mettre une caméra extérieure.
Ça aurait été marrant de voir en vue extérieure, je pense que c'était plus impressionnant. J'ai fini à 4 minutes 3. Carrément, presque 50 secondes de retard. Alors, on va faire... Seagull Rise toujours. On va faire un... Alors, Head-On, je pense que c'est un duel. Normalement, c'est un duel. On va faire Oasis. Je vais changer, je vais prendre la Lion. Qui est la même que la première avec une autre couleur, si je me dis pas de bêtises. C'est que ce truc. Il a démarré. Ah d'accord, il y en a un qui a le sens. Hein. Ah, ok, quoi. Je viens de comprendre. Il y en a un qui est dans le même sens, dans le sens inverse de nous, qui fait qu'on risque de le taper à chaque fois, de le rencontrer sur la piste. Et il faut être le premier à arriver. Ok, bon, c'est très bizarre, hein. C'est la première fois que je vois ce mode là. Ça fait penser en le mode super spécial, sauf qu'en fait, on est parti côte à côte, on part en face de l'autre. Bon, bien sûr, on va pas le faire entièrement, hein. C'est juste... On va essayer de voir si on peut le rencontrer à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que je suis mauvais, ce circuit, c'est impressionnant. Enfin, il est là, il va arriver. Bon, ça va, on s'est pas touché. On voit qu'il a un petit peu d'avance, quand même. Alors, c'est vrai que j'utilise jamais le frein. Je pourrais faire, quand même. Et déjà, je crois que quand j'appuie sur le frein... Ah si, on voit pas les... J'ai cru qu'on voyait pas les lumières derrière. En fait, si... Ça me permet de m'entraîner un tout petit peu encore sur le circuit. Oh, il est passé par... Ah, d'accord. En sens inverse, on peut prendre la partie droite. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander... est-ce que je peux pas... couper. Couper par là. Alors, attendez, on va en faire encore un tour. Ouais, on a une... Ah, ah, il y a peut-être un raccourci. Ouais, ça se trouve, il y a un raccourci. On va essayer. On va essayer dans le prochain tour. Parce que c'est vrai que ça m'intriguait cette pente là. Et boum! On s'est rentré dedans. Allez, on va essayer de prendre le raccourci cette fois-ci. Parce que je pense être un raccourci. Pardon! Alors. C'était ici. Et ouais, effectivement, on peut prendre le raccourci là. C'est génial. Ah, effectivement, le chemin numéro 2, et on est au-dessus de la cascade. Ah, ça c'est cool. Ça c'est pas mal. C'est vraiment sympa de pouvoir faire ça. Et du coup, j'ai quasiment repris mon retard. Ah, je me suis retourné. Bon, ça va, pas trop de pertes là-dessus. Oh là là, j'ai fait une bêtise. On va se retourner, j'ai perdu du temps là malheureusement. Ouais, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça nous a permis de découvrir un raccourci que l'on pourra utiliser bah, pour la course par exemple. Notamment dans le mode carrière. Enfin, que je pense être un mode carrière à voir. Hein. On va essayer le mode suicide en rookie. On va changer de circuit un petit peu. On va prendre les mines. Et on va prendre la LSR. Et on va, du coup... Alors, je sais pas si on va retrouver ces voitures en bas, hein. Ça peut être... Il y aura 6 tours. Ok, je viens de comprendre. Donc, j'ai 6 tours à faire. Sauf qu'en fait, ils sont tous contre moi. Ok. C'est magique. Je sens qu'on va bien se marier encore. Bon, parce que là... Là, en fait, ils vont tous être contre moi. What the... Et en plus, j'ai l'impression qu'il essaye de me toucher, en fait. Il essaie à chaque fois de me rentrer dedans. Alors, pour moi, c'est quoi le but, du coup? Parce que, est-ce que je dois gagner la course? Est-ce que je... Je suis encore P1. Ouais, c'est bon. Oh, j'ai réussi à les esquiver, c'était magique. Suicide, quoi. Oh, il a... Vous voyez, il essaye de me rentrer dedans. Là, il va essayer de... Voilà, il se tourne vers moi à chaque fois, donc il faut vraiment que j'hésite.
Donc si je vais tout droit et que lui est à droite ou à gauche, il va essayer de foncer sur moi. Donc, une fois que je le sais... Ouais, c'est bon, il est mal loupé. Là, il l'a non. Je pense que je suis bien parti, là, cette fois-ci. Après, c'est un circuit où j'ai pas trop de mal par rapport aux deux autres. Oh, yo, 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 le carton. Oh, il y a encore une fois. Allez, remets-toi en ligne. Ouais, c'est bon. Après, je sais pas s'il y a un but spécifique, parce qu'une fois que j'aurai fait mes 6 tours, qu'est-ce qui va se passer? J'en ai aucune idée. Je vais passer juste en dessous. Ah, j'ai pas de chance, hein. Je prends toutes les voitures. Alors, il n'y a pas de décor destructif, en tout cas, j'ai rien vu de... Oh, aïe, aïe, aïe. Alors, il va essayer de me rentrer dedans. Bon, on a compris, on va sortir. Et on va faire enfin ce mode... ce mode solo, quoi, ce mode carrière. Je sais pas ce que ça va être. Allez, un joueur, saison... Nouvelle saison, Eden Mixed. Ah, il y aura tout en fait. Normal, Eden Mixé. On va faire en normal. Le fameux entrage de pseudo qui sert à pas grand chose, mais bon. Pourquoi pas. Allez, hop. Bon, et en rookie évidemment. Alors déjà, j'ai du mal en rookie. Je vais s'imaginer au niveau de difficulté après. Hein. Monkey, Reptile, Alta. J'ai envie de prendre. Ah, la Monkey, l'avantage c'est qu'elle a une bonne. Bon, ça, elle a la meilleure maniabilité, mais elle est pas très rapide. On va prendre celle-là. Elle est pas très... Je ne trouve pas très jolie au niveau des couleurs, mais bon, ça reste un style. Et nous sommes Bardi pour Zingdour de Gourz, ici sur le tracé de je ne sais pas quoi, Oasis. Allez, maintenant je connais un peu le tracé, je suis quand même fermé tout à l'heure où j'étais vraiment pris au vent. On est dedans par l'IA, c'est magnifique. Alors on va passer par là, c'est gentil de m'être. M'avoir aidé. Aïe aïe aïe, c'est n'importe quoi. Alors peut-être que c'est pas forcément toujours bien de prendre le raccourci. Hein. Avec s'il y a une voiture contre nous, et je vais monter. Et voilà. J'ai perdu tout l'avance que j'avais. Apparemment le violet, lui, il est vraiment devant. En fait, c'est jump à chaque fois. Regardez les IA. Aïe 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 aïe. Et voilà, je me suis pris le mur, merci. Il est très très bien placé ce. Je passe par là parce que j'aime bien passer par cet endroit. Pas forcément à grand chose, mais j'aime bien quand même. Alors le deuxième c'est vraiment éloigné, il reste vraiment que le troisième à aller chercher. A mon avis en rythme on va galérer. Eh mais ils font n'importe quoi, hein. Ils font que louvoyer. D'un côté, gauche, droite, gauche, droite. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Vraiment j'ai pas de chance. Allez, allez, un petit coup là. Ouais c'est bon. En plus je reviens pile dans le mur, c'est magnifique. J'ai perdu un temps mais... monstrueux. Alors il y a certains angles, on dirait un petit peu les couleurs de la... Peugeot de rallye. J'essaie de remonter tant bien que mal mais... Jump là.
On est combien? Combien on est? Bon, encore! Aïe aïe aïe. Elle se retourne à chaque fois, hein, quasiment. C'est vraiment pas évident quand on se jump là. Je pense qu'il doit vraiment y avoir un calcul quand même à faire à chaque fois pour bien retomber. Tu prends tous les angles. Prendre un tour, hein, comme tout à l'heure. C'est encore pire que tout à l'heure. Je sais pas comment j'ai réussi à mon compte, mais... Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Oh non, mais je suis maudit en fait. Je suis toujours sur la mauvaise trajectoire, je tape toujours le petit bout qu'il faut pas. Ouais, mais à chaque fois, hein. Bon, on essaiera de faire mieux sur les deux autres tracés. Et là, vraiment... Alors, j'ai pas pris un tour, c'est déjà la seule bonne nouvelle. Par contre, ouais, on a été mauvais. Allez, on va passer à la suite. Alors 100 points, 75, 50, 25. Il reste 5 courses. Safe season, non, on s'en fiche, on va continuer. Alors par contre, vu qu'il y a 5 courses, peut-être qu'il y a 2 courses qu'on a pas faites qu'on va pouvoir découvrir. C'est pour ça qu'on va aller un petit peu plus loin que les deux prochaines courses pour essayer de voir au moins la quatrième. Si c'est une nouvelle course ou pas. Bon là j'ai peut-être mes chances, je dis bien peut-être si je vais pas rentrer dedans continuellement. Ok, non, mais je fais tellement n'importe quoi, ça devient ridicule. Allez, on se met en route et voilà. Le petit saut que j'aime bien. Ça fait penser un petit peu au premier saut du premier circuit de Sega Rally, le premier, sur la Saturn et l'arcade, avec ce gros jump. Bon, attention, la petite escalade, voilà. Est-ce que je peux les recoller? Franchement, si j'arrive pas à les recoller ici, je me demande à quel moment je vais réussir à le faire, hein, parce que c'est en mode facile. Je suis incapable de savoir ce que terminer 3ème. Je vous laisse deviner le niveau du jeu, quoi. Bon, certes, on découvre, hein, donc on peut pas non plus être fort dès le début. C'est quand même assez logique. Mais il y a quand même des jeux où, même si on découvre, quand on est en mode facile, bah on. Pas trop, quoi. Enfin, on s'en sort plutôt. Et je me suis retourné, mais ça va. Heureusement qu'on est dans une grotte. Je vais arriver à les rattraper, il faut juste... Stay focus. Aïe. En fait j'ai vraiment du mal, en fait il faut vraiment avoir des réflexes de ninja, parce que le circuit étant tellement court, et des virages partout. Ah, au secours. C'est pas vrai. Allez, encore retourner. Il faut vraiment des réflexes de ninja, hein. Vraiment. Et en plus, quand on a les IA qui font que tourner autour de nous, je n'arrive pas à prendre ce virage. Oh là 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 là, c'est immonde, retourne-toi. Retourne-toi. Ah, c'est un peu dommage, le système pour se remettre en ligne, alors certes il se veut, bah ouais, on va dire un peu réaliste, mais c'est vraiment ce qui fait perdre un temps, mais infini.
En fait, le tracé pourrait servir à droite, mais j'ai même pas le temps en fait. Il y a tellement de virages que je peux même pas regarder en fait le circuit. Je vais terminer dernier. C'est génial. Ok, bon, je sais, j'ai fait pas mal d'erreurs. Et on est loin. Oh là là, qu'est-ce qu'on est loin. Oui, avec le gros jump. Et je me suis encore retourné. Décidément, je suis en sens inverse. J'ai pas parlé des musiques. Je pense que ce qu'on fera, c'est que dans la course, je montrerai le son de la musique. Et changerai la caméra, pour mettre la caméra embarquée, qui risque d'être assez ignoble d'ailleurs pour ça, mais bon. Allez, on va faire la suite. Résume. On va passer à la course 3. Pour le moment, je n'ai pas réussi à fermer que dernier, et dernier avec genre 20 secondes de retard. Ah c'est ça, 20 secondes pile. Prochaine course sera le circuit des mines. Non, comme ça on va pas, on peut continuer. Et on va, comme j'avais dit, mettre Incar. Ça risque d'être assez gerbant. Mais c'est bardi ! Ah non mais là... Ok, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça quoi ? Putain, c'est pas possible. Ah mon dieu. Au secours. Oh là, ça a duré 3 secondes. Vous avez compris le délire. C'est injouable. Bah c'est peut-être jouable quand on est tout seul, mais quand il y a les voitures devant, en fait on voit rien. On voit tellement rien. Alors je m'étais bien sorti tout à l'heure sur ce tracé, il y a moyen quand même que je puisse faire quelque chose, s'il vous plaît. Voilà, si je dis ça, je vais me retourner 10 fois, mais... S'il vous plaît, laissez-moi au moins l'honneur de finir pas dernier, quoi. Ce jeu est très porté sur l'humiliation, j'ai l'impression. Ah, mais en fait, on peut traverser les... D'accord. En fait, les... Comment ça s'appelle? C'est... Oh là là, qu'est-ce que c'est crispant. Les... Je sais pas comment on appelle. Les petits wagons. Les petits wagonnets. Les wagonnets, du coup. On peut les traverser. Y a pas de... Bah, on... entre pas dedans. Allez, on s'accroche. On essaye. Ah, j'ai dit que je vous montrais la musique, mais on le fera pour le quatrième tracé. Aïe. Est-ce qu'on va enfin y arriver? Ouais, on est troisième. Premier screenshot. Aïe, non. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. En fait, la caméra, elle nous suit derrière, mais comme elle suit un petit peu en décalé quand on tourne, c'est impossible de voir ce qu'il y a devant nous, en fait. Si vous regardez bien, la moitié de la caméra, je ne vois pas ce qui se passe. Oh, je suis pas trop sympa. On va se retourner, attention. Voilà. Allez, je suis troisième. Vous avez en haut, il y a un pont, et je me demande si on peut pas prendre ce pont par hasard dans une autre variante du circuit. Allez, drapeau blanc, dernier tour. J'adore le bruit des suspensions quand même. On dirait qu'on est dans un lit qui a 50 ans d'âge. On a de la chance parce qu'on se croise hein, sur ce circuit et j'ai pas réussi à me prendre une seule fois un véhicule. Bon, troisième!
Félicitations. Et on va essayer de voir le quatrième circuit. Je sais pas du tout si ça va être un nouveau circuit pour autant, ou si ça va être autre chose, mais... Je vous laisserai, du coup, troisième. Du coup, on a 100 points. Et ça sera l'Oasis en backward, donc malheureusement, ça sera pas le nouveau circuit. On va terminer là-dessus, d'ailleurs, hein. Je vais juste changer le niveau pour la musique. Comme ça, vous allez... Et je vais essayer de me taire. Jusqu'à la fin. Incroyable, on a gagné. On a gagné. Ah, je suis pas content. Pour la fin, on remporte la course. Alors, je pense que je vais peut-être plus concentrer, mais c'est vrai, j'ai l'impression que ce circuit-là, en mode inverse, c'est plus facile parce qu'on voit les décors différemment. Et j'ai beaucoup plus le temps de contrôler ce que je fais par rapport à la version à l'envers. C'est bizarre. Normalement, j'ai vu d'ailleurs passer sur une autre véhicule. Je vais baisser le son par contre du jeu. Enfin, je peux pas le faire. Donc on va laisser là-dessus.
J'espère que ça vous a plu, c'était Rallycross sur PlayStation. Un jeu que je conseille juste pour que vous puissiez tester les réactions des véhicules. Après, est-ce que c'est un bon jeu à notre époque? Non, pas vraiment. C'est un jeu qui pour l'époque était très intéressant, maintenant ça a pas mal vieilli. Voilà, donc à tester. Est-ce que j'approuve? Ouais, non. C'est un jeu correct, mais pas plus. Si je devais mettre une note, je mettrais 13 ou 14. Mais il y a quand même quelques petites subtilités qui font que le jeu est intéressant quand même. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!